toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, un peu moins chaude mais toujours aussi ensoleillée la météo de cette fin juin. Après quelques passages nuageux sur Monaco et la Côte d'Azur ce matin, le soleil va prendre ensuite le dessus sans trop de difficultés. Le thermomètre sera souvent proche des 30 degrés au plus fort. Un peu de pluie, voire une dégradation orageuse s'annonce pour demain mercredi. 150 millions d'euros, sacré jackpot pour Antonio Caroli, mais il est prêt à y renoncer. Cet entrepreneur italien a pourtant obtenu gain de cause la semaine dernière. Le tribunal suprême lui a accordé cette belle indemnité après que l'État monégasque a souhaité annuler le projet de construction d'un complexe immobilier sur la digue du port Hercule. Il aurait mis en danger l'organisation future des Grands Prix de Monaco. Antonio Caroli s'exprime ce mardi dans Monaco Matin. Pour lui, cet argument est faux et il espère donc pouvoir à nouveau envisager de concrétiser son travail. Il en sort de partout et Monaco ne fait pas exception. Les pistes cyclables, une nouvelle relie Fontvieille au port Hercule depuis quelques jours et on parle désormais d'un projet entre la Principauté et Nice. Une lettre vient d'ailleurs d'être envoyée au maire de la capitale azuréenne. En attendant d'en savoir plus, une dizaine de nouvelles stations monabike vont voir le jour d'ici la fin de l'année. Trois même d'ici la fin de cette semaine. Une au pied de la tour Odéon, mais aussi à côté de la cathédrale ou encore à l'angle de la rue Grimaldi et l'allée à Guillaume Apollinaire. Les vélos à assistance électrique de la Principauté sont utilisés entre 1200 et 1600 fois par jour. On quitte le vélo pour le bateau du futur avec l'ouverture aujourd'hui du Monaco Solar and Energy Board Challenge. Une version numérique à cause de la pandémie, mais tout de même une quinzaine d'équipes qui vont présenter des projets utilisant des énergies alternatives. Vous aurez plus d'infos en cherchant Monaco Solar and Energy Board Challenge dans votre moteur de recherche préféré. Dans l'actu également, nouvelle journée de mobilisation des blouses blanches. Les personnels soignants redescendent dans la rue pour obtenir plus de moyens pour l'hôpital. Pour les syndicats, les 300 millions d'euros annoncés hier pour revaloriser les salaires des médecins hospitaliers et les 6 milliards pour les personnels non médicaux ne suffisent pas. Une centaine de rassemblements est programmée ce mardi partout en France et à Nice, notamment sur la place Masséna en tout début de soirée. Des soignants en première ligne pendant l'épidémie de coronavirus. D'ailleurs, elle est loin d'être finie. L'Organisation mondiale de la santé nous prévient. La pandémie s'accélère sur la planète. Le pire est à venir. Si c'est plutôt calme à Monaco, dans une toute autre mesure, aux États-Unis, on assiste à une explosion du nombre de nouvelles infections. Au Canada, on se prépare officiellement à une deuxième vague. En Chine, le virus semble redémarrer. Dans le monde, on a franchi la barre des 500 000 morts et des 10 millions de cas. En France, on s'approche des 30 000 décès. 126 clusters sont toujours sous surveillance actuellement. Voilà pour votre actu, les 7h04. Dans un instant, Manu, donc votre salaire. Bon réveil.